سعيد بلقائكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات. الآن سنقوم بتقديم فرد المحروس رقم 3 بالنسبة للأولى دولي. On commence إن شاء الله. Exercice 1. La droite D. D est une droite graduée par l'unité OI telle que la distance OI est égale à 1,2 cm. Premièrement, placez le point A d'abscisse moins 3 et B d'abscisse moins 1,5 et C d'abscisse 2. La deuxième question, c'est calculer la distance BC. Donc, pour cela, on va premièrement construire ou bien on va tracer la droite D. La droite graduée D. Graduée par l'unité c'est OI. Donc, OI, il mesure 1,2 cm. OI, c'est 1,2 cm. Voilà le point I. Donc, l'abscisse de O, c'est 0 et l'abscisse de I, c'est 1. Donc, le point A, c'est l'abscisse moins 3. Donc, je garde la même distance, c'est de OI, et je vais construire le point A d'abscisse moins 3, moins 1, et moins 2, et moins 3. Voilà, l'abscisse moins 3, donc le point C A. Le deuxième point C B, d'abscisse 1,5, donc 1,5 c'est la moitié entre 1 et 2. Donc voilà le point 2, le point d'abscisse 2, moins 1. Et moins 2. Donc voilà le point B. Désolé. Le point C d'abscisse 2. Donc voilà le point C. La deuxième question, c'est quoi? C'est calculer. Calculer. La distance BC. Qu'est-ce qu'on a? On a une propriété à l'aide des abscisses des points sur la droite graduée, on peut calculer la distance entre les deux points. Qu'est-ce qu'on a? On a XB, c'est-à-dire quoi? C'est l'abscisse du point B est égal à moins 1,5. Et XC, XC égale à 2. L'abscisse du point C. Et quoi? XB, il est supérieur, XB, il est inférieur de XC. C'est-à-dire quoi? On fait une petite comparaison entre les deux abscisses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la distance BC égale le plus grand abscisse, c'est quoi? C'est XC moins XB fois la mesure de OI. Voilà la mesure de OI. Donc, BC égale XC de moins XB, c'est plus 1,5, moins, c'est plus 1,5, fois 1,2 cm. BC égale à 3,5 fois 1,2 cm. BC est égal à 4,2 cm. Donc, c'est ça la distance entre les deux points B et C. Ça pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, qu'est-ce qu'on a? On a ici une figure qui concerne quoi? Un repère orthogonal de plan. Il y a des points A et N et P et B. La question, c'est quoi? C'est déterminer les coordonnées des points A et B et N et P. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va utiliser? On utilise quoi? Les projetés orthogonales. On remarque que le point A, la projetée orthogonale sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, il est sur le point d'abscisse 3. Et le projeté orthogonal de A sur la droite des verticales, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est sur le point
D'abscisse 2. On dit que l'ordonnée de A, c'est 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le point A, dans ce cas, c'est-à-dire quoi? Donc, le point A, c'est les coordonnées de A. L'abscisse de A, c'est 3. Et l'ordonnée, c'est 2. Pour le deuxième point, c'est quoi? C'est B. Qu'est-ce qu'on a pour B? On va faire la projetée orthogonale de B sur l'axe des abscisses. Donc, il est devant le point, c'est moins 3. C'est l'abscisse, c'est moins 3. Et la projetée de B sur la droite verticale, sur le point moins 4. Donc B de coordonnées moins 2, moins 3 et moins 4. Pour le point N, il appartient à l'axe des ordonnées. N, il appartient à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire quoi? La projetée de N sur l'axe des abscisses, c'est O. C'est-à-dire l'abscisse de N, N. L'abscisse de N, c'est quoi? C'est 0. Et l'ordonnée de N, c'est quoi? Est égale à 4. Donc, les coordonnées de N, c'est 0, 4. Pour le point P, le dernier point, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a pour P? P, il appartient à l'axe des abscisses. Donc, l'abscisse de P égale à moins 4. L'abscisse de P égale à moins 4. Mais, ou bien, c'est moins 5, pardon, c'est moins 5. Mais l'ordonnée de P, la projetée de P sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, donc la projetée de P sera sur le point O. Donc, c'est 0. Donc, tous les points qui appartiennent à l'axe des abscisses, tous les points qui appartiennent à l'axe des abscisses ont comme ordonnée, c'est 0. Les points qui appartiennent à l'axe des ordonnées ont comme abscisse, c'est 0. Pour le troisième exercice, qu'est-ce qu'on a? A, B, C, E, F, G est un prisme droit. A, B, C, E, F, G est un prisme droit. Tel que ABC, le triangle ABC que représente dans ce cas-ci la base, c'est un triangle rectangle en B. Triangle rectangle en B, tel que la distance AB égale à 4 cm et BC, c'est 3 cm et AC égale à 5 cm. La distance AE, que représente AE? AE, c'est la hauteur dans ce cas. AE est égale à 5 cm. Première question, c'est quoi? C'est calculer la surface latérale de prisme. Calculer. SL, la surface latérale. SL. Qu'est-ce qu'on a? On a pour tous les prismes droits, SL égale toujours PB. C'est quoi PB? C'est leur périmètre de la base fois H. Fois H. Périmètre de la base fois H. Qu'est-ce qu'on a comme base ici? C'est deux triangles. C'est ABC, le triangle ABC. Encore, c'est le triangle EFG. Ce sont des bases. Pour la hauteur, c'est quoi? Ce sont des segments AE et le segment BF, ou bien c'est le segment CG. Ils ont même longueur. Donc SL, dans ce cas, égale P de B. Périmètre d'un triangle, on sait bien qu'il est égal à la somme des trois côtés, c'est-à-dire égal AB plus BC plus CA fois la hauteur. C'est AE. On passe à l'application numérique. S égale quoi? Égale à 4 cm. 4 cm plus 3 cm plus 5 cm entre parenthèses fois 7 cm. Donc SL égale 4 plus 3, 6, 7 plus 5, 6, 12 cm fois 7 cm.
Donc SL, dans ce cas, égale 84 cm au carré. 12 fois 7 égale à 84 cm fois cm est égal à cm à la puissance 2 ou bien 6 cm au carré. Pour la deuxième question, c'est quoi? Calculer le volume V, c'est le volume de prisme. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le volume d'un prisme droit est toujours égal à S de base, c'est la surface du base, fois H. SB fois H, surface de base. Qu'est-ce qu'on a pour, comme base? C'est ABC. ABC, c'est un triangle rectangle. Pour le triangle rectangle, la surface d'un triangle rectangle égale le produit des longueurs des côtés de l'angle droit, BA fois BC, divisé par 2. C'est la moitié d'un rectangle. Donc, dans ce cas, V égale BA fois BC divisé par 2 fois la hauteur, c'est quoi? La hauteur, c'est AE fois AE. Donc, on passe à l'application numérique. V égale BA égale à 4 cm fois 3 cm divisé par 2 fois 7 cm. Donc ici pour la, l'unité cm fois cm fois cm est égal à cm puissance 3. C'est la même règle des puissances. 4 fois 3, c'est 12, divisé par 2, c'est 6. 6 fois 7 égale à 42 cm cubes. C'est 42 cm cubes. On passe à quatrième exercice. Qu'est-ce qu'on a pour le quatrième exercice? Compléter le tableau de proportionnalité. Compléter le tableau de proportionnalité. On a un tableau ici, représente une situation de proportionnalité. Il faut le compléter. Qu'est-ce qu'on a dans ce tableau? On a deux, cinq, un nombre, et 27, 3,2 et un nombre inconnu. Il y a deux méthodes pour établir ce tableau, soit en utilisant le coefficient de proportionnalité, ou bien on utilise le quatrième proportionnel. Donc, je vais utiliser les deux cas à la fois. Donc, c'est en utilisant le coefficient de proportionnalité. Si on utilise le coefficient de proportionnalité, qu'est-ce qu'on a ici? On divise quoi? C'est 10, pardon. 10 divisé par 2 égale à 5. 10 divisé par 2, on a 10 divisé par 2, on va diviser 10 par 2 ou bien 2 par 10. C'est la même chose. Donc 10 divisé par 2 est égal à 5. Si on utilise le coefficient de proportionnalité dans ce cas, on va multiplier par 10. 2 fois 5 égale à 10. 2 fois 5 égale à 10. Donc, si je cherche ce nombre-là, le nombre x ici, x, je propose x, x égale à 27 divisé par 5. C'est dans le sens contraire. X fois 5 égale à 27. 27 divisé par 5 égale à x. Égale 27 divisé par 5 est égal à 5,4. Ça, si on utilise la méthode de coefficient de proportionnalité. Si on utilise, je propose un inconnu, c'est y, je peux, deuxième méthode, c'est avec l'utilisation de quatrième proportionnel. On a x2 divisé par 10 égale
à 3,2 divisé par y. Donc y égale 10 fois 3,2 divisé par 2. Y égale relation à 3 ou bien. Donc 10 fois 3,2 divisé par 2. Y est égal 32 divisé par 2 égale à 16. Voilà, si j'utilise deuxième méthode de quatrième proportionnel, et si je vais calculer avec le coefficient de proportionnalité, 3,2 fois 5 encore est égal à 16. C'est la même réponse. Donc pour la deuxième partie de l'exercice, qu'est-ce qu'on a? Le nombre des élèves dans une classe est 140. C'est 40. 35% des élèves sont des garçons. Déterminez le nombre des garçons dans cette classe. C'est la partie, deuxième partie de cet exercice. B, le nombre des garçons dans la classe. On utilise un tableau de proportionnalité. En utilisant un tableau de proportionnalité, on a pourcentage et nombre des élèves, le nombre des élèves. On a 40 élèves dans la classe. Ils représentent 100%. C'est pourcentage total. 40 élèves, ils représentent 100%. Le pourcentage des élèves, c'est 35%. C'est-à-dire le nombre des garçons, c'est X. Alors, dans ce cas, X est égal, en utilisant le quatrième proportionnel, égal à 40 fois 35% divisé par 100%. On va simplifier par les unités, premièrement. On simplifie par 10. B égale, X égale 4 fois 35 est égal à 140. Divisé par 10 égale à 14 élèves. C'est-à-dire le nombre des élèves, des garçons de cette classe sont 14. On passe maintenant à exercice 5. Qu'est-ce qu'on a pour l'exercice 5? C'est un exercice qui concerne les statistiques. Qu'est-ce qu'on a? Voici l'âge des élèves d'une classe, 12, 13, 12, 11, 14, à la fin. La première question, c'est quoi? C'est quel est l'effectif total? L'effectif total. Quel est l'effectif total? Qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le nombre des élèves dans cette classe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, on a 20 élèves dans cette classe. Donc, l'effectif total qu'on a étudié, c'est 20. Donc, N égale à 20. Pour déterminer l'effectif, on va compter le nombre des élèves dans la classe. Deuxième question, c'est quoi? Compléter le tableau des effectifs. Donc on a ici ces valeurs de caractère, c'est l'âge. Et c'est le nombre ou bien c'est effectif. On a 10
10, 11, 12, 13 et 14. Donc, pour établir ce tableau, il faut compter combien de fois il se répète le caractère 10 et le caractère 11 et caractère 12 à la fin. Donc là, je vais proposer une autre méthode, comment on va établir ce tableau. Donc je vais lire les données que présentées ici et je vais mettre des croix dans chaque cas. Qu'est-ce qu'on a? On a 12, donc je mets un croix dans 12. On a 13, c'est le deuxième nombre. On a encore 12, 11, 14, 13, 13 et 13 et 12, 11, 12 et 13 et 12 et 13, 14. Il y a 12 deux fois, je crois. 12, 13 et 14, 11 et 11 et 10 et 10. Donc, combien d'élèves ont 10 ans? C'est 2. Donc, l'effectif de la valeur 10, c'est 2. Combien de croix ici? C'est 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 élèves qui ont 11 ans. C'est 4. L'effectif de la valeur 11, c'est 4. L'effectif de la valeur 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, encore 6, 6. 14, il y a 2 personnes seulement. Pour vérifier, est-ce que le tableau, c'est réel, c'est correct ou c'est pas correct, on va faire la somme des effectifs. 2 plus 4, c'est 6. 6 plus 6, c'est 12. 12 plus 6, c'est 18. 18 plus 2 égale 20. 20, c'est quoi? C'est l'effectif total. On passe à la troisième question, c'est quoi? C'est calculer. 3. Calculer le pourcentage de la valeur 11. Qu'est-ce qu'on sait? Vous avez une règle pour calculer un pourcentage d'une valeur P. 11 égale la fréquence de la valeur 11 fois 100%. P11, c'est-à-dire le pourcentage de la valeur 11, égale la fréquence fois 100%. Et la fréquence P11 égale l'effectif de la valeur 11, c'est 4, divisé par l'effectif total, c'est 20 fois 100%. Je vais simplifier par 10 et 10. 4 divisé par 2 est égal à 2. Donc P11 est égal à 2 fois 10 est égal à 20%. إلى هنا أعزائي التلاميذ تنتهي حصتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وشكرا على اهتمامكم وانتباهكم.